Salut à tous, ici Gaius, on se retrouve sur Sonic Frontier pour un nouvel épisode en compagnie de notre fanbase qui se trouve en face de nous. Alors on a 30 points qu'on peut dépenser, donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre 7 habilités, donc tir téléguidé, RT dans les airs et appuyer sur X, ou bien celle-là, RT et B dans les airs, ça dépend ce qu'on aimerait avoir. Je dirais plutôt celle-là. Et puis, alors, commande manuelle pour le tir téléguidé, RT dans les airs, et ensuite, boum. Ok, ça fait 10 points. Ok, parfait. Donc, on nous montre un petit peu ce que ça donne. Allez, donc c'est parti. Je me suis déplacé au sein de la map pour être directement devant ce portail-là, pour qu'on puisse directement donc, débuter l'aventure à cet endroit-là. Je vous montre rapidement la map. Voilà, donc il y a un portail d'accès ici, et puis ensuite on ira un petit peu compléter encore les boss qui restent, ainsi que les petites médailles qui se trouvent là. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode, let's go. Voilà, donc on entame un niveau 3D, c'est un niveau que j'ai déjà fait, juste avant. J'ai récupéré les 4... les 4 pièces, il m'en manque une. Je pense savoir où elle se trouve. On va y aller de suite. Voilà, là, je pense que je peux sauter. Alors, c'est pas celle-ci, parce que celle-là, je l'ai déjà récupérée. Mais je pense qu'elle est... par là, voilà, je pense qu'elle est par là, je suis pas sûr, non. Très bien, donc on peut accéder à l'émeraude. On va y aller de suite. Oula, il va tomber. Voilà, donc on peut aller directement récupérer notre émeraude du chaos. On laisse les ennemis, on n'en a pas besoin pour l'instant. Est-ce que je l'ai déjà fait celui-là normalement? Oui, oui. Oui, je l'ai déjà fait, ok. Allez, on se tire rapidement. Là c'est bon aussi. Non, lui on va pas se battre contre lui vu qu'on l'a déjà battu dans l'épisode précédent. Vous pouvez voir qu'il y a une espèce d'étoile juste à côté de son nom. On va aller récupérer l'émeraude du chaos là. Ici.
Je ne le contrôle pas totalement, mais je peux attiser sa rage contre toi. Allez, c'est parti, on doit courir. Waouh, il est tellement... On dirait un Shadow de Colossus. Waouh, des missiles, tout ça. Voilà. Ok, on a réussi en glanant quelques trucs au passage. Tu ne fuiras pas éternellement. Pars. C'est mon dernier avertissement. Ah, c'était un avertissement. D'accord, donc on doit parler à Knuckles. C'est parti. On peut essayer de le frapper, lui. Hop. Bingo. On a récupéré Non, voilà. On le récupère. Ah, lui j'ai jamais battu. J'ai jamais Voilà. Il m'a enlevé l'émeraude. Quoi? Et tu vas... Il est fou. Reviens pour l'émeraude. Comment l'arrêter? Non, je peux pas l'arrêter, c'est bizarre. C'est bon, je pense avoir compris. Il faut en fait surfer sur son rail. Voilà. Et voilà, et on récupère la Chaos Emerald. Allez, on va parler à Knuckles. Mon père avait raison à ton sujet. Tu es irréfléchi et tu détruis tout. Je sais pas trop quel est ton problème, mais on peut discuter. Non, pas de discussion, pas de négociation. Je vais t'éliminer. D'abord comprendre ce qui se passe. Non, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ta confiance t'aveugle, Sonic. Pas du tout. Fais-moi confiance. D'accord, on a débloqué une espèce de je sais pas quoi, on va aller voir. Encore, il faut parler à Knuckles. Hop.
On va récupérer le rail. Ah là, c'est très bien. Il y a des... On a tout récupéré? Ouais, je vais peut-être un peu trop vite. Pas mal. Franchement. Voilà. Il y en avait deux ici. Un ici. C'est un labyrinthe ce truc. Petite scène de fight. Non, on a récupéré les anneaux. Ils vont piquer tous mes anneaux là. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement contrer leur coup? Je vais voir. Ouais. D'accord. Ça, c'est pas mal, ça. D'accord. Il y a encore plein de choses à récupérer de ce côté. Regardez, il y a même un truc là-bas. Je me demande si c'est peut-être un boss ou un truc comme ça. Ouais, c'est un espèce de méchant. On va aller le faire. On va aller le faire. Sumo, de son nom. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire, ce Sumo là? Ok, il est en arène. On tourne autour pour l'instant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a un bouclier. Mm-hmm. Est-ce que par hasard je peux faire ça à Sumo? Oui. D'accord, je comprends ça. Ah, déjà? D'accord. Allez, Sumo, il va taper encore. Ok, bon, sinon on l'a eu. Je vois pas comment ce Sonic est mauvais, enfin j'ai du mal à comprendre. Je le trouve tellement stylé, mais vraiment tellement stylé. Allez, on récupère un peu nos anneaux. On récupère les petits Korogo là. Bon, je sais, on n'est pas dans Zelda, mais ça ressemble beaucoup. On essaie de voir. Il y a un portail ici? Allez, on récupère les anneaux. Tellement de choses à faire, enfin, chaque mètre est bondé de mini puzzles. Donc lui, il y a le sniper là. On va voir, en fait, on est où en termes de... Ok, d'accord, je vois. On est vraiment au bout de la map. Là, j'ai récupéré quand même le... Voilà. Il y en a un autre là. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Bon, lui, on peut éventuellement le taper rapidement. Voilà. Voilà, on récupère en même temps. Alors, est-ce qu'on peut. D'accord, il y en a beaucoup. Là, peut-être aussi quelque chose de sympa. Alors, lui, pas très compliqué à battre. Hein. Regardez, il faut juste appuyer sur B pour l'écraser. Boum. Et il est à nous. Oula. Voilà. Impeccable. Là, il faut revenir, d'accord, c'est pour revenir. On récupère. Ah, il est dans le ciel, là.
On peut carrément tout faire, hein. Dommage, je pensais pouvoir l'atteindre. Mais peut-être pas par là. Alors, est-ce qu'on peut sauter? Non. Est-ce qu'on peut faire ça, par exemple? Oui. Ben voilà, on récupère en même temps les médailles. Excusez-moi. Un peu concentré sur ce que je fais, là. Lui, pas très compliqué aussi, je vais vous montrer. Je crois qu'on l'a fait déjà dans le premier épisode, mais... Voilà, pardon. J'ai fait une boulette. Je pense que c'est une déclinaison. Allez, on va faire ça. Ça, et... Et voilà. Bingo. Vraiment, il y a pléthore de choses. Hein. Voilà, et on récupère au passage... Enfin, le jeu est fun, quoi, c'est indéniable. Oula, je vais passer par là. Allez, go. Et on peut faire des figurines pour gagner un peu plus de... Donc ça, c'est pas très compliqué à faire. On peut le faire, hein, c'est... Faut juste... Hop. Et voilà. Ok, donc transformation en Super Saiyan Blue. Boum boum boum. Et là on va voir directement Knuckles. Waouh, c'est quoi ça? Allez, c'est parti. Et je vois qu'on a même débloqué un truc là. Une espèce de roquette, un truc comme ça. Et on va parler à Knuckles. Le bouchon au milieu de l'étang. Tirer dessus nous permettrait de vider l'eau. Malheureusement, je suis fantomatique et t'es incompétent sous l'eau. Oh, merci de t'inquiéter. Mais si je bouscule un peu ce truc qui tient la chaîne, il va peut-être la remonter. Ça vaut le coup d'essayer. Mais elle ne tombe pas. Je peux pas trop pêcher. Ok, donc le bassin devant Sonic a une sorte de bouchon. Ce bouchon est connecté par une chaîne à une énorme pierre de blocage au-dessus de lui. Il bougera peut-être si quelque chose le frappe assez fort. Donc est-ce qu'il faudrait avoir une puissance accrue ou pas? On va voir. Ah d'accord, c'est là-bas. Je me disais c'est peut-être ça. Il faut peut-être le déplacer, je ne sais pas. Oui, il faut le déplacer avec une balle, en fait c'est une balle. D'accord. Vider l'eau du bassin. Alors, il nous demande, simulateur, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, course boucle, d'accord. Allez, on peut faire ça. Voilà, bingo. Et là, on peut le récupérer. Allez. On court. Je peux aller plus vite là. Je pense que c'est bon. Allez, charger le canon. Est-ce qu'il faut tirer sur la chaîne? Juste la chaîne?
Non, c'était pas ça. On va recommencer. Oula, tu vas trop vite. Quand il démarre, c'est vraiment une balle, quoi. On va le faire tranquillement. Allez, c'est parti, on commence. Ouais, mais je sais pas sur quoi tirer, en fait, c'est ça le truc. Peut-être là. Ah, bah voilà. Je me disais que c'était peut-être la chaîne, mais en fait, non. Très Breath of the Wild, hein. Les lumières comme ça qui s'allument, qui libèrent un passage, etc. Est-ce que c'était une bonne idée de vider l'oasis? Bah, tout ce qui compte, c'est d'avoir découvert la voie à suivre. Ouais, enfin, tu sens pas la chaleur? Bref, la course jusqu'à la prochaine émeraude. Ok. Allez, c'est parti. Alors attendez, on va faire ça comme ça. Hop, on va récupérer ça. Alors voyons voir. Alors, est-ce qu'on peut sauter là-dedans pour voir un petit peu ce qu'il y a? Bah oui, attendez, on est arrivé ici, autant fouiller, quoi. On va descendre. Y'a rien. Non, y'a rien. Hey ! Coucou les gars. Je vous ai récupéré là ou pas? Oui? Non? Y'a quoi d'autre? Y'a quoi d'autre? Si on scrute un peu comme ça. On l'a déjà fait celui-là. Non. J'ai dit, il y a énormément de choses quoi. Je vois qu'il y a une porte là-bas en bas. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà. Il y a une porte d'accès là. Il y a ça, mais je me dis comment je peux faire pour l'avoir. Voilà. Alors là, c'est un jeu de rythme, rien de particulier. Voilà, rien de particulier, bien sûr. J'aimerais augmenter ma force, mais pour l'instant, je trouve pas. C'est ici, c'est bon. Ah, je vois où il est. Hé hé, on va augmenter un petit peu nos anneaux, etc. Dans un petit moment. Allez, on va faire ça. Regarde un peu ce qu'il y a ici. Ouais, il y a ça aussi à faire. Je pense que le début est par là. Ouais. On peut même continuer. Pardon. On peut même continuer comme ça. Et là aussi il y a quelque chose. Il y a un coffre là-bas. Ah bah tiens, on a obtenu une clé. Sympa.
Ok. Je vois qu'il y a autre chose là-bas. On fouille, hein, on fouille un peu. D'accord. On va recommencer. C'est peut-être pas ça que ça allait faire. Bon, on va voir. Ok, on atterrit où là? Ok, on est revenu en fait au niveau du bassin. On l'a déjà fait lui. Bon, on l'a déjà fait. Ouais, c'est dommage que l'environnement. Enfin, il y a un affichage, une profondeur de champ qui est pas très très. Qui est pas très grande quoi. On voit pas très loin. Alors on voit, mais les objets s'activent au fur et à mesure qu'on avance. Bon, pourquoi pas. Pas méchant, mais ça aurait pu être mieux. Alors il y a autre chose là. Alors on regarde la map juste pour voir un petit peu où se trouve. Alors il y a un cours, il y a ici. Lui on peut aller pour augmenter nos. Il est là au milieu. Non non, on arrête de faire ça. On va aller le voir directement. Ah, il y a une espèce de. Critère d'accès, il y a un portail ici, ok. Alors lui, content de vous revoir, les petits cocos. Alors c'est les cocos, et non pas les corogos. Merci Sonic, désires-tu plus de puissance? Améliorer la vitesse, améliorer la capacité de ring. Je vais mettre améliorer la vitesse. Voilà, niveau de vitesse 15. On va améliorer la capacité de ring aussi. Encore une fois, la vitesse. On peut le faire autant de fois qu'on veut, hein, bien sûr. Jusqu'à ce qu'on ait plus de coco. D'accord, donc on lui a tout donné, en fait. C'est tout bon. On a amélioré un petit peu la vitesse, un peu les rings. Allez, on va monter, là. Il y a une porte. Oula. D'accord, mais comment on monte en haut là? J'ai pas pigé le truc là. C'est par là. Non. Non, je suis tombé. Mais t'arrêtes de me sniper toi. Perdu un peu de ring, c'est pas grave. Alors, comment faire pour monter là-haut? Il doit bien avoir un moyen. Alors, j'essaie par là encore une fois. Non. Voilà. Voilà, on a débloqué un passage pour pouvoir monter plus facilement. Et on va lui parler à la petite dame. D'accord. Ton cauchemar volant est très mobile. C'est mieux que le géant. Mais ça va finir pareil. Comment es-tu capable d'utiliser les Chaos Emeralds? Je dois encore analyser les paramètres de combat. Je ne peux pas te laisser gagner. Tu sais, tu pourrais tout annuler et me laisser sauver mes amis en paix, non? Très bien, on fait ça à ta façon. Allez, on attaque
cette zone là. On va récupérer ça et ça. C'est parti. Allez, on attaque ce niveau. Ok. Donc c'est un niveau 3D aussi, hein. Ok, on a récupéré la deuxième. Allez, on va essayer de la voir. Voilà, c'est tout bon. La quatrième. En espérant avoir une cinquième. Oui. Ok, on a eu quand même les 5 étoiles. Terminant avec 75 anneaux. Et le rang S sera très facile à obtenir. Puisqu'on a terminé le niveau en 1 minute 10. Donc on va continuer. On a déjà de toute façon assez de clés. Allez, 3 unités obtenues, formidable. Il faut trouver un autre portail. On va voir. Alors, on regarde la map. On a celui-ci, c'est tout bon. Je sais qu'on en avait trouvé un autre par là. Mais... Donc celui-là aussi, c'est tout bon. Il en faut 14 hein, pour la prochaine émeraude. Et on va essayer d'aller là. C'est où, là? C'est là-bas. C'est là-bas. On va voir ce que c'est. On va débloquer un pan de map. Alors lui, c'était quoi déjà? Ah oui. C'est bon, 412. 2 dégâts. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Allez, on regarde un peu. Est-ce qu'on a quelque chose? Donc là, il y a une prochaine émeraude. Comme il dit, il faut 3 points de plus. Je vois pas tous les portails. Je sais qu'il y en avait un autre quelque part. Ah, c'est qui ça? C'est peut-être la gamine, on peut encore lui parler. On va aller de ce côté là, puisqu'on a, on a pas vu grand chose par là. C'est où? C'est où sur la map? C'est là. D'accord, en même temps. Non mais. Juste attendre. Et voilà, on récupère un peu de... un peu d'XP. Alors là... What? Waouh, c'est énorme. C'est énorme. Allez, on fait des figurines pour gagner un maximum d'expérience. Non, j'allais dire on arrive à vite. Non, fous-moi la paix, toi, j'ai pas envie de me battre. Elle est là-bas. C'est bon, je l'ai eu? Ouais, je l'ai eu. Oh, on va récupérer ça. Alors ça, ça permet d'augmenter bien sûr hein, la défense. Donc les bleus, la défense, le rouge, l'attaque. Il est fort intéressant si on veut faire beaucoup de dégâts.
on a récupéré ça. Le sniper m'agace, j'ai envie de le défoncer. Mais... Ah, ok, c'est une course un peu. Ok, je comprends. Allez, on va faire ça. Et on va ensuite faire ça. Et on va essayer de. Voilà. Normalement, ça devrait pas être très compliqué là. On pourra débloquer un pan de map. Très bien. Mais je vois toujours pas de. Je vois toujours pas de. On va aller voir la petite. On va voir si on peut lui parler à elle. Elle est là. Peut-on te parler, petite fille ? Oui ! Je veux bien tout pardonner si tu me dis comment restaurer mes amis. Amy et Knuckles sont comme des fantômes. Un peu comme toi. Les données du cyberespace sont interdites aux intrus. Oui, mais tu vois, ils en font à moitié partie. Est-ce que tu peux au moins me dire s'ils vont aller bien ? Ils sont stables. Ils flottent entre cette dimension et la dimension numérique. Mais leurs vies ne sont pas en danger. Un soulagement. Plus ou moins. Merci pour l'info. Très bien, donc on a la possibilité d'avoir de petits dialogues comme ça sur la map en allant, allant parler à la petite intelligence artificielle. Donc il y en a un autre ici. Et puis je pense que c'est tout. Je vois pas en fait les portails, ou à moins que ce soit moi qui les ai pas encore trouvés. Mais je vois pas encore les portails où se trouvent. On ira faire ça un peu plus tard. Mais écoutez, on s'arrête là pour cet épisode. En tout cas, merci de l'avoir suivi. Je vais essayer un petit peu d'ouvrir la map. Vous savez un petit peu comment ça se passe là exactement. Je laisserai bien sûr les niveaux portails pour que vous puissiez les voir, puisqu'ils font partie intégralement du gameplay. Ce n'est pas juste du farm pour aller récupérer les différentes pièces. Donc n'hésitez pas à rester connecté. La suite arrive très vite. J'essaye de faire un épisode de temps en temps afin de varier un petit peu les vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, ou est-ce que vous souhaitez voir l'aventure directement d'une traite. J'ai l'impression que c'est un peu redondant, mais bon, à vous de me dire ce que vous voulez. Moi, je vous dis à très vite, en tout cas pour un prochain épisode.